Depuis que nous avons mis sur le marché cette marque de chips Njoka, il y a une question que je reçois pratiquement 3 fois par semaine. Ça veut dire qu'il ne passe pas une semaine sans que des personnes me contactent pour me demander « Claudel, est-ce que tu peux me donner le contact de la personne qui a réalisé ce formidable packaging qui fait de cette marque la meilleure marque de chips actuellement ?» pour que je puisse aussi développer ma marque ou alors mon produit. Et à chaque fois que je reçois cette question, je me rends compte qu'en réalité, les gens écoutent ce que je dis, mais très peu de personnes comprennent réellement ce que je dis. Chaque jour, lorsque je produis des contenus, je dis toujours, ensemble, nous sommes plus puissants. Travaillons ensemble. Si je produis 50 contenus, dans 49 contenus, je parle du travail ensemble. Parce qu'il n'existe pas un numéro que je pourrais vous passer qui est capable de vous reproduire ce packaging ou alors ce produit. Parce qu'en réalité, il y a plus de 200 personnes qui ont travaillé ensemble pour qu'on puisse obtenir un produit d'une finesse et d'une qualité pareille. Avec une précision dans les détails. Les détails jusqu'au point où, quand vous ouvrez ce packaging, comme j'ai déjà eu à le présenter dans l'unboxing, dans l'une de nos précédentes vidéos, vous allez vous rendre compte que, même dans le conditionnement qu'il y a à l'intérieur, les chips sont classés un à un dans le conditionnement. Ce n'est pas éparpillé. Tout est fait avec des détails. Et ce n'est pas un travail d'une personne. Dans la vidéo de l'unboxing, je disais déjà que rien que le logo, il y a plus de 7 propositions qui ont été faites par plusieurs graphistes. Je ne parle pas des juristes qui ont intervenu. Je ne parle pas des copywriters. Je ne parle pas des experts en marketing. Je ne parle pas de toute l'équipe que nous constituons, l'équipe du top management de l'entreprise. Je ne parle pas des personnes qui contribuent de manière financière, de manière intellectuelle, sur le plan du lobbying, sur le plan du relationnel, pour qu'on puisse obtenir un seul produit comme celui-ci. Donc, quand quelqu'un m'écrit et il me dit « Claudel, donne-moi le numéro » de la personne qui a fait ça. En fait, ce n'est pas un numéro dont tu as besoin. Tu as besoin des personnes avec qui vous allez vous mettre ensemble pour réaliser des produits excellents comme le produit Njoka. Maintenant, si tu ne connais pas ces personnes, si dans ton entourage, tu n'as pas des personnes avec qui tu pourrais travailler et tu recherches des personnes avec qui vous allez vous mettre ensemble pour réaliser ce type de prouesse, je te recommande de rejoindre la tontine structurelle africaine. C'est une tontine que nous avons créée qui comporte plus de 150 membres à ce jour, tontine qui a été à l'origine du projet Njoka, du projet Smart City, à travers lequel nous sommes en train de construire des biens immobiliers qui seront à vendre et de beaucoup d'autres projets qui vont venir au fur et à mesure. Pour rejoindre cette tontine, les conditions sont simples. Il y en a 2. La première condition, c'est d'être membre d'une communauté que nous avons créée qui s'appelle UniBrain, dont l'adhésion revient à 120 000 francs pour les personnes qui résident au Cameroun tous les 12 mois et à 300 euros si vous résidez en Occident tous les 12 mois. Ça, c'est la première condition pour rejoindre la tontine structurelle africaine. Et la deuxième condition, lorsque vous avez fini de payer les frais d'adhésion, vous devez cotiser minimum 500 000 francs par mois. Et c'est une tontine dont ces frais nous permettent donc de pouvoir développer ces différents projets. Si tu penses avoir les moyens, si tu es quelqu'un qui veut rejoindre une tontine de ce type afin que nous puissions développer des produits comme celui-ci, tu vas trouver un lien en commentaire, clique dessus et nous allons te contacter pour te permettre de rejoindre la tontine structurelle africaine afin qu'ensemble, nous puissions continuer de développer des projets comme Njoka qui vont révolutionner l'industrie en Afrique. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre la tontine structurelle africaine. N'oublie pas que tu es seul à faire ta propre force.